Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oui. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de tout. J'organise une journée surprise à Myriam et Yacine. Rien que ferme les yeux et viens avec moi. C'est où? Je vais pas te dire c'est où. Franchement, c'est une surprise. Mais pas ferme les yeux, je sais que ça va prank. Elle pense que je vais la prank. Je te promets, je te prank pas, Myriam. Ferme tes yeux. Ok. Ok, ferme tes yeux. Yacine, il arrive dans quelques instants et on y va. Elle va passer une vraie journée les reilles. Let's go. On va où dans le jeu? C'est bon, tu peux ouvrir tes yeux. Bon. Nous sommes dans. Non, on va en arrière. Nous sommes dans un van. On va au bled. Je rigole. Pas, on va pas au bled. En vrai, je vous organise une journée surprise. Là, on va à Paris. On va faire des trucs de ouf. Là, je vous emmène d'abord dans le meilleur restaurant, un des meilleurs restos. Et après, on ira voir quelque chose de très spécial. On va dans la meilleure boulangerie. Non, un restaurant de ouf. On va à Paris là. Et c'est carré, c'est bon. À tout à l'heure. 1 hour later. On est arrivé. Oh lolo, la psychiatrie les gars, bon, on arrive au restaurant, elle est juste là, en plus il n'y a personne. On va aller graille. Ça va Myriam le trajet? C'est dur hein. Mauvaise nouvelle les reilles, on est resté une heure dans. On est resté une heure dans le van et du coup le restaurant il a fermé. Eh Jean, on va à la FFF, on pourrait jouer. Yacine dans son téléphone, il va mettre le GPS, on va aller à la tour Eiffel, normalement il devrait avoir un truc carré là-bas. En tout cas j'ai le seum les reilles. Là-bas, c'est ça qui a parlé Myriam, l'équipe de France. Je crois que c'est leur QG. C'est leur QG, ça. Mais j'ai la haine, c'est fermé. Bon, les gars, c'est bon, on a trouvé la route vers la Tour Eiffel. Impeccable. Prendre à droite sur rue de Sèvres. À droite, il y a un City Stade. On va jouer avec eux, on va leur montrer. Ici, ils sont bizarres. Les gens ici, ils sont bizarres. Je dis même les City ici, ils sont bizarres. Les City? Mais non, wesh, il est pas bizarre, regardez. Est-ce que t'es prête, Myriam? 3. Attends, je montre d'abord aux abonnés. D'abord, regardez-moi ça. Elle va péter un câble. D'abord, tu mets ta tête vers le haut. 3. 2, 1, c'est quoi? La Tour Eiffel. C'est... Vas-y, avance, on a le droit d'avancer. Hein. On va monter tout là-haut, là. Tu vois tout là-haut, là. Parti. Tu vois là-bas, là-haut. On va s'asseoir sur le truc. On va s'asseoir sur là-haut. Vous êtes chaud? On n'a pas le droit. Si, il faut juste payer. C'est bon, Myriam, on va tout là-haut. Non mais elle va être contente. Alors, t'en penses quoi? C'est grave magnifique. C'est grave magnifique. Par contre, celui qui a construit ça, il est vraiment grave fort. Hein. Celui qui a construit ça, là? Ouais. Comment ça, il est fort? Bah, personne ne pourrait construire ça. Viens, on avance, viens, on va avancer un peu. On va faire des petites photos. Putain, on n'a toujours pas mangé, j'ai la haine. Regardez comment c'est bas. Il y a des gens. Regardez, il y a des gens dedans. Est-ce que vous voyez, là? Non, moi, je vois pas. T'en Ouais, il y a des gens, en vrai, on peut monter. Hein. On a continué à avancer, la Tour Eiffel, elle est juste là-bas. Et il y a des petits trucs à graille. Vu que le restaurant, il est fermé, on n'a rien mangé. On prend des trucs, ouais. Par contre c'est grave cher, une glace 4€. Alors tu prends quoi? Franchement j'hésite entre tout. T'hésites entre tout, tu sais pas quoi prendre. Soit une gaufre au Nutella, soit une barbe à papa, ou soit les churros. Moi je prends une barbe à papa. Ok, on va regarder si on a 4€. Tiens, 1€. Ouais, t'as de la chance. 3 et 4. Je crois pas si c'est Myriam va prendre une barbe à papa. Merci, c'est gentil. Elle est plus grosse que ta tête. T'es content? Comment les petits vont avoir du plaisir à manger ça? C'est trop beau. Myriam, c'est Chopper. C'est quoi Chopper? C'est dans One Piece un personnage qui kiffe les bras. Vas-y, on la laisse manger son coton, on dirait du coton. Regardez la queue pour monter en haut de la Tour Eiffel. Il y a tout ça. Arrête, c'est les vacances, je pense qu'il faut venir quand c'est pas les vacances. Ouais, mais. Eh, bah écoutez, parce qu'on a pu monter avec toute cette queue. Hein. On y mouvait pas la queue, la flemme. Hein. Non, ça va aller. À part si on dépasse tout le monde, on dit on est là. À part si t'as un passe handicapé, t'es pas handicapé. Imagine, on dit on est la 4 famille, on passe devant tout le monde. Non, y'a trop de monde, Eric. Regardez le truc de ouf, un dessinateur professionnel. Regardez son dessin, il ressemble. Ça ressemble hein, quand même. Franchement, c'est classe. Là, on attend pour traverser. Je crois qu'il y a une fête foraine là-bas, les reilles. Regardez tout le monde. T'en penses quoi de Paris, toi, sinon, Yacine? On dirait un autre pays. Ah ouais? Les gens, ils ont une image de la France. Je comprends pourquoi ils ont cette image-là. Parce qu'en fait, Paris, c'est vraiment l'image des gens qu'ils ont. Mais nous, on habite. Genre, c'est pas du tout pareil. Dans les autres trucs, c'est pas du tout pareil. On dirait pas le même pays. On n'a toujours pas mangé. Regardez la queue qu'il y a pour prendre des trucs. Vas-y, ici, il n'y a pas de salle de sport. Il y a des salles de sport, il y a fitness park et tout. Là-bas, on a quoi là-bas? On a des churros. Là, on a une terrasse. Donc, voilà, c'est des sandwichs. Ils vendent des trucs. Ça doit être 25€ le sandwich. Hey, il doit y avoir un Covid ici. Waouh. Là, regardez, c'est la Seine ici. C'est la Seine.
Ah, c'est un autre délire là. Oui, c'est la Seine. Et regardez, ils font une promenade en bateau. Ouais, ils font des promenades. C'est stylé, c'est beau quand même. Hein. Regardez, je vous montre un petit peu une vue si vous habitez pas à côté. Avec les gens. Là, c'est beau quand même, non? Pour faire un petit tour. Ouais, franchement, pas mal. Avec ta femme, t'es bien. Un week-end. Ouais. Pas plus. Comme je sais, Cassine, t'aimes bien le foot, je t'ai ramené dans une boutique de maillots là. Hey, je peux faire le manège. T'as 2 ans? Elle a dit oui. Regarde, Yacine, là, si tu vas acheter des maillots de Paris, regardez, il y a des trucs. Toi, si ça t'intéresse. Non, merci, ça va aller. Ça va aller. Moi, ça m'intéresse par contre. Toi, tu veux un maillot de Paris? Toi, tu veux tout, de toute façon, tant que c'est pas toi qui paye. Non, on avance par là encore. Ça, c'est quoi? C'est des pains au chocolat? Non. Bouge pas, hey, c'est grave cher ici. Viens, on avance par là. Là, on a quoi? Hot dog, crêpe, encore toujours la même chose. Là, Yacine, t'es en train de retenir partout où on va quand il va venir avec sa meuf, il va l'emmener partout. Ouais, là, c'est là, là, c'est là. Non, même pas, j'y reviens plus, moi, ça y est. Ah, le mytho. Regarde, Mirab, le manège, il va partir. C'est là, pour je les. Je prends un câble, je crois, au trajet de 4 heures de route, là. Ah, le retour ah, non, le retour, c'est grave rapide, le retour. La psychiatrie. Le retour, c'est rapide. C'est vrai, cheval. Ouais. T'as des statues comme ça. Il y a grave des étrangers aussi, ils viennent en vacances ici. Ouais, c'est vrai. Là-bas, on a encore. Et là, la balade en bateau, regarde. On y va. Ouais. Tu payes? Oui. T'as même pas d'argent? Si. Ni 18 euros. Voilà les frères, on marche avec Yacine tranquillement. Yacine il cherchait sa femme. Et là on a trouvé nos gars. Ça vient d'où les gars? Ça vient de Paris. Aïe aïe, bah gros big up. Je vais faire une dédicace si vous avez une petite dédicace à personne. Dédicace à personne, fallait être là. Fallait être là. Merci les gars, vous êtes des bons. Merci beaucoup. Ce qui est bien à Paris, c'est que tu vois tous les vélos là. Ouais, tu peux les louer. On peut les prendre. T'as pas le droit. J'ai le droit. Il y a marqué avec le code sur le site. Mais c'est bête ou quoi? Mais j'ai le site. Irem, va t'en prendre un là-bas, va prendre un vélo. Mais qui est-ce que t'es bête? Comme ça, on va en prison. Non. Je vais t'aider à monter. Comme ça, on va en prison, c'est mieux. C'est pas drôle. Allez. Oh, il y a la police. Les amis, tout est fermé, on peut rien, graille. Parce que là il est 4h, ça va 18h, donc là on va reprendre un chauffeur. Et soit je vais aller dans un restaurant ou soit je vais prendre Uber Eats. Parce qu'on a tous faim. Ok. Allez. C'est bon, on peut y aller. Allez, on peut rentrer. On retrouve quoi? Une heure de route. Non là ça va être vite fait. Bien s'il y a du produit. Voilà, vous voyez du produit. Mettez vos vestes. Il y a un synthétique quoi là. Ouais. On vient de rentrer les frères, vous me retrouvez directement en train de faire un tacos. Il s'est passé une dinguerie dans la voiture. Je vous explique. En fait, ma petite soeur et tout, on a tous rien mangé. Vu que le resto était fermé. Ma soeur. Non, moi j'ai mangé, moi. Ma soeur, elle a tout vomi. Elle a tout vomi dans la voiture. Et le mec, il a dit quoi? Vous pourriez nettoyer, s'il vous plaît? On a dit désolé, monsieur, désolé, va la voir. Elle est grave pas bien de ce qu'elle a. Ça va mieux, Myriam? Elle a vomi, la pauvre. En fait, c'est à cause du Uber. Est-ce que vous connaissez ceux qui prennent les Uber? Il y a une sorte de Uber à 6 places, il donne grave envie de vomir. Mais moi j'avais grave envie de vomir, je me suis retenu, mais elle s'est pas retenue et malheureusement elle a vomi. Là ça va mieux ou pas? On arrive à la fin de la vidéo, je me suis fait un repas vite fait parce que je dois remanger ce soir. Je me suis fait un tacos, un croque-monsieur et dessert. En vrai on a passé une vraie bonne journée, il n'y avait pas trop de monde, on a croisé plein d'abonnés super gentils. On vous passe à tous le salam, ça fait trop plaisir d'avoir une communauté comme ça. En plus, bientôt le ramadan, donc là, on va profiter, on va taper un maxi croc. Regarde ce croc, chaque fois je traite les abonnés, aujourd'hui, vous faites des vieux crocs. Regardez, c'est quoi un croc? Bismillah. T'es prêt? Regarde comment il est. Bismillah. Oh, c'est chaud. Moi, je vous laisse là. Ciao.